Bonjour à tous, je suis Sandrine, professeure des écoles, et je tiens le blog La Trousse de Sobel. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, juste pour répondre à quelques questions en ce qui concerne ma méthode, le français en action. Donc, première question, est-ce que mes deux livres de CM1 et de CM2 ont leur progression identique ou qui se suivent? Alors, en grammaire, oui. Enfin, en grammaire, non, pardon. En grammaire, on a quelques notions qui sont identiques et que j'ai essayé de caser au même endroit, mais c'était très compliqué parce qu'on va quand même plus loin en CM2. Il y a des choses qu'on ne fait pas en CM1, donc c'était pas évident. Par contre, la progression de conjugaison se suit. Toutes les deux niveaux hein, sont exactement quasiment identiques. Et en plus, ma progression de conjugaison suit aussi la méthode de dictée. Spécial double niveau ainsi que les deux aussi spécial CM1 et CM2 en simple niveau. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on m'a toujours appris que les enfants doivent beaucoup s'entraîner au niveau des exercices pour qu'ils comprennent une notion. Chose que, en fait, moi, je dis l'inverse. Enfin, je dis pas vraiment l'inverse, mais ce que je dis, c'est que pour pouvoir avoir le temps de corriger, de se dégager du temps pour les corrections, il faut donner peu d'exercices. Alors, les deux, c'est sûr, vont pas ensemble. Alors, je suis plus ou moins d'accord sur cette chose-là. Pourquoi? Alors, en fait, oui, effectivement, les enfants doivent s'entraîner pour bien acquérir une notion. Mais est-ce qu'il faut qu'ils s'entraînent tout de suite, d'un seul coup, une seule fois, et puis plus jamais tout le reste de l'année? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils s'entraînent un petit peu la première fois lors de la découverte de la notion, et que tous les jours, ou toutes les semaines, ou tout le temps, ou toute l'année, ils s'entraînent à refaire des petits exercices sur cette notion, voilà, aussi souvent que possible et autant de fois que nécessaire. Moi, je préfère la seconde option. C'est pourquoi j'ai réalisé des fiches que vous trouverez sur mon blog qui s'appellent Catégorie de mots pour la conjugaison, pardon, pour la grammaire. Où les gamins en fait doivent classer, donner la fonction ou la nature des mots qui sont soulignés dans un texte. Ensuite, c'est pour ça aussi que j'utilise les textes à transformer parce que ça permet de réinvestir toutes les notions de conjugaison qu'on a vues et aussi d'orthographe, etc. tout au long de l'année. Donc moi, effectivement, je préfère donner peu d'exercices la première fois. On fait une découverte ensemble en classe. Ensuite, on donne effectivement deux, trois petits exercices. Vaut mieux qu'il y ait deux, trois petits exercices compris, bien faits, corrigés par la maîtresse en classe, plutôt que huit exercices non corrigés en classe, que les enfants n'auront pas forcé, ils ne sauront pas forcément s'ils ont fait juste ou faux, puisqu'on n'aura pas eu le temps de les corriger avec eux directement. Et donc, pour moi, ça ne sert à rien, parce que s'ils ont fait 8 exercices et qu'ils ont fait les 8 faux et qu'ils ne savent même pas s'ils les ont fait juste ou faux parce qu'on ne les aura pas corrigés avec eux, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc voilà pour ma deuxième réponse. Troisième question. Oui, alors on me dit souvent, oui, mais si on a des photocopies ou bien un fichier tout pré-rempli, les enfants n'écrivent plus dans les cahiers et ne présentent plus leurs cahiers, ils n'apprennent plus à écrire dans des cahiers. Certes, alors moi, mon point de vue, c'est le suivant. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez les faire écrire, faites-leur écrire autre chose que de recopier des exercices de grammaire et de conjugaison. Ça ne sert à rien de faire recopier des exercices de conjugaison et de grammaire et d'orthographe. Ça ne sert à rien. Ça sert, moi, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller les faire écrire des productions d'écrit. Donc, on n'a pas le temps de faire de productions d'écrit parce que l'étude de la langue nous prend trop de temps, beaucoup trop de temps. Du coup, on passe toute notre semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, chaque jour, à faire grammaire, orthographe, conjugaison, machin. Et quand est-ce qu'on les fait écrire? Quand est-ce qu'on les fait écrire? On ne les fait pas écrire assez. Il faudrait les faire écrire tous les jours. La production d'écrit, les textes libres, les rédactions, les petits sujets d'écriture, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut les faire écrire, c'est super. Pourquoi? Parce qu'en écrivant, on apprend à écrire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on apprend à écrire, c'est en écrivant qu'on réinvestit
toutes les notions de grammaire, de conjugaison. Alors, oui, c'est pourquoi c'est très bien d'avoir un fichier. On passe peu de temps à faire ces exercices de grammaire, de conjugaison qui sont obligatoires, parce que c'est les programmes, parce que les parents nous les réclament, parce que, bon, après, ça c'est aussi discutable, hein, en pédagogie freinée, on vous dira que la grammaire est inutile. C'est discutable. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, dans la mesure où on choisit de faire du français comme ça, la grammaire de la conjugaison dans le vocabulaire, moi je pense que c'est pas utile d'aller passer du temps à faire recopier des exercices. Le but, c'est quoi en fait exactement la compétence visée quand on travaille de l'EDL? C'est pas la compétence, c'est pas savoir recopier un exercice. La compétence visée, c'est avoir compris, savoir conjuguer au présent ou reconnaître la notion de complément de verbe ou etc. C'est pas la compétence qu'on venait en train de faire apprendre aux enfants, n'est pas de faire écrire dans un cahier. Si vous voulez faire acquérir cette compétence, vous pouvez très bien le faire avec d'autres activités. Donc effectivement, moi, donner peu d'exercices dans un fichier, ça me permet de libérer du temps pour mes élèves pour qu'ils puissent écrire. Écrire au quotidien. Je l'ai fait pendant une année où on écrivait tous les jours des textes. Alors c'est vrai qu'au niveau de la correction, c'était un petit peu lourd. Mais franchement, c'est comme ça aussi que derrière, ils vont réinvestir encore mieux ce qu'on leur a appris plutôt que de leur donner 8 exercices. Alors oui, il faut qu'ils s'entraînent, mais qu'ils s'entraînent en écrivant des textes, pas en faisant des exercices systématiques. Le jour où vous leur avez donné 8 exercices systématiques parce qu'il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils s'entraînent, qu'ils s'entraînent, derrière, donnez-leur un texte à écrire où ils vont devoir réinvestir les 8 exercices que vous leur avez donnés. Ben, je ne suis pas persuadée qu'ils sauront le faire. Par contre, si vous leur faites écrire des textes tout le temps, tout le temps, si vous leur donnez des exercices de catégorie de mots, des textes à transformer toute l'année, croyez-moi que là, les notions, elles vont rentrer à force, à force, à force d'en faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de ces exercices. Et pas une fois plein d'exercices, et puis basta, plus rien jusqu'à la fin de l'année. Là, vous pouvez très bien leur demander en fin d'année, qu'est-ce que c'était la proposition subordonnée relative? On l'a vu une fois, ils ne sauront pas vous répondre. Et comment on conjugue au passé composé? Alors, ils sauront vite fait. C'est quoi les règles? Ils ne sauront plus. Ils ne sauront pas les appliquer. Ils ne sauront pas les appliquer. Pourquoi? Parce que des exercices systématiques, ça sert à faire comprendre une notion. Ça ne sert pas à apprendre à appliquer cette notion. Ce sont uniquement l'écriture de texte. Il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils écrivent. C'est la seule et unique façon qu'ils ont d'avoir une bonne orthographe, un bon vocabulaire, une bonne grammaire et une bonne conjugaison. C'est le seul exercice le plus complet pour arriver à tout acquérir. C'est pourquoi je persiste et je signe dans le fait que utiliser un fichier pré-rempli de français, c'est top parce que ça vous dégage du temps pour faire des productions d'écrit et d'autres exercices plus intéressants de réinvestissement dans le plan de travail de français. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je la fais le soir, hein, cette vidéo, il est 20h. Et portez-vous bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, vous avez aimé celle-ci, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très vite.